L'univers du jazz et du classique se fréquentent, s'enrichissent mutuellement de longue date. Et comme nous avons cette année une approche de la musique qui est assez intellectuelle, entre guillemets, puisqu'il s'agit de la pensée visible, le thème de notre saison, avec l'arrière-plan qui est celui-là, de dire aux spectateurs, l'œuvre musicale est une œuvre qui souvent est toute préexistante dans la tête du compositeur ou de l'interprète. Et ce que nous voulons, c'est à travers une programmation très, très pensée, lui donner une épaisseur charnelle. Et le jazz, à cet égard, s'y prête très bien, parce que c'est un univers à la fois poétique, qui renvoie d'ailleurs au visuel de cette année d'un personnage perdu dans les jazz, dans les nuages et dans le jazz, qui joue du violoncelle. C'est aussi un univers qui, je dirais, touche tous les publics, des enfants aux adultes, plusieurs générations. Et nous avons choisi pour ce faire un lieu qui est nouveau dans la programmation, qui est une très belle chartreuse du XVIIe siècle, sur la commune de la Bachellerie, qui est une petite commune du Périgord noir. Et là, nous accueillons sur 2 jours, 4 concerts, plusieurs ensembles et plusieurs programmes. L'un est monté avec les jeunes lauréats de la classe de jazz du conservatoire de région, à rayonnement régional de Bordeaux. Donc c'est sa classe supérieure qui vient se produire. Nous l'appelons la relève en Aquitaine. Nous avons monté avec nos amis suisses dans le cadre d'un programme bâti avec la fondation, une grande fondation suisse, qui est la fondation Maeva and Conny Charitable Foundation. Et cette fondation est très passionnée de jazz, tout comme nous. Nous avons bâti avec le conservatoire de Lausanne, la Haute École de Musique de Genève, avec le concours international de Genève, le Jazz Montreux Festival. Nous avons bâti toute une série de rendez-vous où le jazz tient vraiment sa place. Et donc viennent des formations, le Gautier Tout Trio, un ensemble qui s'appelle V comme Vian, qui a construit aussi tout un magnifique spectacle qui se projettera, je dirais, dans ce lieu. Et avec la Spedidam, notre société de droit et la DAMI, nous avons là aussi invité de jeunes jazzmen et women, si on peut dire, contemporains, qui sont de la jeune génération et qui sont passionnés par cet univers. Donc c'est vraiment l'esprit, cette année, le jazz est au cœur de notre programmation classique pour refléter les échanges entre ces deux mondes qui parfois s'excluent, mais qui là se complètent très harmonieusement. Je dirais le cœur de notre saison est chaque année l'Académie de musique baroque, l'Académie internationale baroque de Saint-Amand-de-Colligny et l'Académie d'orgue de Sarlat. Au fond, on aime beaucoup cette idée d'inviter des jeunes à en devenir. Certains sont déjà connus, d'autres pas encore, mais qui viennent travailler avec des grands maîtres d'un horizon international, puisque il y a parmi les jeunes, il y a 35 qui viennent travailler à l'Académie de baroque et une douzaine qui viennent travailler à l'Académie d'orgue. Et je dirais, sur ces deux académies, vous avez une quarantaine de nationalités. Les profs eux-mêmes représentent 8 nationalités pour 8 compositeurs et interprètes, quoi, plus interprètes que compositeurs, mais grands enseignants et en même temps grands interprètes au quotidien. Et donc, à partir de ces artistes qui viennent travailler dans 2 lieux, nous avons d'abord d'autres programmes qui essaiment en Périgord, à partir même de ces programmes construits pour l'Académie. Nous montons un oratorio, c'est-à-dire une œuvre sacrée du XVIIe siècle, du tout début du XVIIIe, pour être précis, écrit par le jeune Georg Friedrich Händel, qui vivait à Rome à cette époque-là, et qui a écrit peut-être une de ses plus belles œuvres, qui est passionnante à jouer pour des jeunes, parce qu'il y a à la fois des morceaux d'ensemble, avec plusieurs artistes qui chantent en même temps, où il y a des espaces pour solistes, et puis il y a une très belle matière orchestrale derrière. Donc ça donne envie aux jeunes de jouer, ça donne envie au public qui les écoute d'approfondir après leur connaissance de ces artistes. Et donc c'est vraiment ça le sens de nos académies. Et je dois dire que celle de Sarlat pour l'orgue avec Michel Bouvard et sa femme japonaise, Yasuko Bouvard, le premier est organiste, la seconde claveciniste. Et avec eux, nous organisons aussi toute une série de concerts. Il y en a 7 à Sarlat, autour de la cathédrale de Sarlat,
qui est un lieu exceptionnel dont les orgues ont été restaurés il y a une dizaine d'années. Donc ce sont des orgues plutôt pour la musique française, des orgues qui sonnent très bien dans ce grand espace de la cathédrale et qui font que les organistes du monde entier ont envie de venir les toucher. On dit toucher un orgue avec la passion pour l'orgue français et la tradition de cette musique qui remonte, je dirais, à Couperin, plus ancien, on pourrait dire, mais dans la musique française, c'est vraiment Couperin, qui va jusqu'à Saint-Saëns, notamment, et jusqu'à Escaich, qui est un compositeur d'aujourd'hui, qui écrit aussi, qui compose des œuvres pour l'orgue. Donc voilà, cet univers des deux académies est pour nous un élément de rayonnement, est une espèce de soleil qui rayonne au sein du festival et qui permet à cette idée d'une pensée visible de rentrer en action à travers la formation des jeunes. Il est aujourd'hui essentiel pour nos actions culturelles de fonctionner avec, je dirais, une base très solide, un trépied. Au fond, c'est comme ça qu'on est le plus stable. Là, il y a un premier pied qui est, je dirais, le financement par nos activités, donc ce qu'on appelle des ressources propres. Et puis, il y a un financement par le biais des acteurs publics, l'État, la région, le département, des villes comme Sarlat ou Montignac qui nous appuient, qui nous aident de longue date, souvent depuis le début du festival. Et puis il y a un troisième trépied qui est important, qui monte en puissance, qui est celui du monde de l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les entreprises parce qu'elles sont exigeantes, elles nous amènent à réfléchir sur certaines idées. Nous avons créé un fonds de dotation qui permet de mobiliser des fonds de mécénat tout en utilisant la pratique de la fiscalité avantageuse du mécénat et de faire contribuer à ce que nous engageons, notamment auprès des jeunes comme action, et en matière de solidarité pour un public éloigné de la musique. Eh bien, c'est ce travail-là que nous faisons avec le fonds de dotation et ses partenaires, qui sont pour l'essentiel les entreprises périgourdines et pour certaines aquitaines. Eh bien, c'est avec eux que nous avons pu bâtir peu à peu cette programmation et ce financement adéquat, je pense, à la solidité de l'ensemble.